Max, ce sont les derniers cartons. Il ne reste plus que les gros. Et les meubles. Et puis après, on pourra emménager. Non, c'est beaucoup trop lourd pour toi. Tu restes là et tu fais attention. Hmm? Monsieur Moser ? Ah, bonjour. Bonjour. On va aller une surprise. J'ai aperçu la voiture, alors j'ai pensé que vous pouviez être là. Et ce petit filou vous a vu et a fermé la porte. C'est fou comme ce chien peut être jaloux. Est-ce que tu as une raison d'être jaloux ? Allez. Dites-moi, en fait, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et qui? Moi? Ah, oui, oui, bien sûr. Hein. Eh bien, je travaille dans la police. Et vous êtes obligé de vous promener partout avec un pistolet? Non, 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 j'étais simplement ici pour déposer quelques affaires et puis je retourne au bureau. Alors, vous êtes policier? Ouais. Vous êtes du genre, pardon, il faut que j'y aille quand on boit un verre entre amis, qui travaille 24 heures sur 24 et qui attend même pendant toute la nuit que le téléphone sonne. Non, non, attendez, c'est pas comme à la télé. Je vous assure que j'ai une vie privée tout à fait normale. Ah, tenez, j'ai une idée. Je vous invite pour le petit déjeuner quelque part dans le coin, d'accord? Oui. Et l'invitation officielle sera pour plus tard. C'est certainement pas important. Avec un peu de chance, vous aurez encore le temps d'avaler un café. Oui, oui, je toque. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Hein? Où ça? Oui, quel hôtel? Bon, eh bien, j'arrive. Il faut que je remette mon invitation à un autre jour. C'est exactement comme je le pensais. Tout le monde le dit d'ailleurs. La police n'est jamais là quand on a besoin d'elle.